Bonsoir tout le monde, jeudi, c'est lundi 26 mars 2018. Bienvenue dans Téléjournal sur Télévision Nationale d'Haïti. Mais un grand titre pour Assoya. Président républicain Jovenel Moïse, qui était gagné avec lui, ministre agriculture, ressources naturelles et développement rural, Carmel André Béliard, fait une visite dans la commune Torbeck, dans le département sud, samedi 24 mars. Dans l'occasion, le chef de l'État haïtien a gardé plusieurs systèmes d'irrigation qui gagnent dans la zone. Yon voti dans la commune Saint-Louis-du-Nord pour prendre direction Zile La Tortue fait naufrage dans la nuit de samedi 24 mars 2018. Plusieurs moun ta disparaître parmi eux yon prêtre catholique. Commissaire gouvernement Port-au-Prince, Maître Knam Klamé Damaeus, questionné lundi 26 mars dans le ministère éducation nationale et formation professionnelle. 24 fonctionnaires qui affectés dans le service budget pour question corruption. 4 non-fonctionnaires qui étaient accompagnés commissaire gouvernement Port-au-Prince à la prison après au fin répondre question yo. Ministère communication exprimer solidarité à la famille Vladimir Le Gagneur et puis toute coopération journaliste là. Ministère a précisé, autorité, la police et la justice ap travail pour permettre la lumière qui fait sous dossier SILA. 65 jeunes filles qui apprennent formation dans le domaine réfrigération et carrelage graduées dimanche 25 mars 2018. Là. Ministère Conditions Femmes et Droits Femmes qui organise cérémonie graduation SILA. Et puis, une actualité en l'autre bord de l'eau, États-Unis et pays Europe ont décidé de mettre dehors plusieurs diplomates russes qui sont sous territoire lundi 26 mars, suite à dossier espion russe qui a assassiné dans le Royaume-Uni. Amis téléspectateurs, c'est titre ça a compilé l'autre information nous prenons le poté pour dans le journal pour Assoya. Nous invitons à rester branchés, nous tournons tout de suite à développement titre. Yon fois encore, nous saluer et puis remercier tout le monde qui branche Téléjournal sur Télévision Nationale d'Haïti. Dans la présentation, c'est Linela qui ensemble avec nous. Première information, nous avons dans le journal, ça, c'est information sous le temps. Comme d'habitude, c'est avec collaborateur nous, Wilner Polidor, qui a porté pour nous conditions météorologiques. Bonsoir Wilner et très bonne semaine. Salut à tous et à toutes, c'est un plaisir pour nous ensemble. Jeudi à nous, lundi 26 mars. Bonne semaine à chacun de vous. On a vu comment conditions météorologiques là, sauf que semaine ça n'a pas gagné beau temps sous pays là, avec quelques averses isolées n'a pas gagné en soirée, mais nous pour voir comment situation est. Nous gagnons une zone de haute pression nous qui trouvait lui vraiment ici et nous gagnons une zone de basse pression ça qui trouvait lui sous Amérique du Sud. Interaction bien combinaison entre deux situations ça a provoqué un temps venteux sous pays là. Et nous gagnons masse d'air qui est vraiment stable sous pays d'Haïti. Et tête à primio, c'est entre 14 et 16 degrés. C'est-à-dire que nous avons un beau temps sous pays d'Haïti. C'est en journée cap ensoleillé au cours de journée avec soleil et puis vent cap venté. Et vent ça va renforcer au cours de semaine. Mais faut que nous disons que pour région sud là, gagne possibilité quelques averses isolées. C'est en fin d'après-midi en soirée. Mais la région nord, ça veut dire nord, nord-est. A bien activité la pluie pour soirée à, au cours de la nuit et même éventuellement demain matin. Pour capitale avec zone qui environne sur capitale qui jouit de beau temps avec quelques développements nuageux en fin d'après-midi et en début de soirée, nous avons quelques averses isolées mais c'est vraiment de rares averses sous capitale avec zone qui environne lieu et là fait très chaud aujourd'hui à température montée jusqu'à 34 degrés Celsius. Et puis, la descente dans le temps, c'est 22 degrés. Ça veut dire qu'il commence à faire chaud et la chaleur a commencé à rentrer sur le pays d'Haïti. Pour la mer, c'est une mer qui agité sous côte nord et côte sud pays d'Haïti. Mais pour Gouverneur de la Gonave, c'est une mer qui peut agiter. Et nous avons capté quelques précautions, surtout sur la région sud-là, parce que la mer a agité non seulement près des côtes, mais aussi dans le fond de la mer. Et pour page astronomique, nous avons soleil nos capins. Couché jeudi à 7h03 et la pleuve demain matin à 6h50. C'est tout ça que nous avons pour la situation météorologique pour journée. Merci pour fidélité avec attention. Nous avons croisé demain pour une autre page
météorologique. Et puis, je nous souhaite annoncer le commencement journal ça. Président République, là, Jovenel Moïse, qui te gagne à CLI, ministre agriculture, ressources naturelles et développement rural, là, Carmel André Béliard, fait une visite dans la commune Torbec, samedi, qui était 24 mars là. Dans l'occasion, chef l'État a profité de garder plusieurs systèmes d'irrigation qui gagnaient dans la zone. Diverses populations ont salué visite président Jovenel Moïse. Reportage Richardson Jourdan et Pams Jean-Baptiste. Gauvin, Labat et Dibouy, c'est côté ça, dans la commune Tobek, président de la République, Jovenel Moïse, qui te gen ak li reprezentan Union Européenne, ministre agriculture Carmel André Béliard et puis plusieurs parlementaires visité samedi 24 mars là. Chef état haïtien te al gade plusieurs systèmes irrigation qui gen nan zone sa yo, agriculteurs ak planteurs kon utilize pou jwenn l'eau pour arroser jardin. C'est dans l'idée pour ki problème qui gen nan système irrigation, yon façon pour garder comment yo ka exploiter pour permettre travailler la terre jwenn plus de l'eau pour produire pi bien. Si n'a parlé de financement sécurité alimentaire et nutritionnelle, faut nous mettre pays en production. Parce que si c'est manger, n'a pas acheté de l'autre côté pour nous venir résoudre le problème sécurité alimentaire avec nutritionnelle dans le pays, nous ne pouvons jamais résoudre. Mais là, nous vous étions, là, nous faisons route dans la zone agricole, nous investissons dans l'agro-industrie dans le pays, ça permet aux agriculteurs, aux entrepreneurs agricoles, d'être capables de travailler et nous capables de vendre, manger. Yo besoin dans cantine scolaire manger que yo besoin dans marché public yo nous gien droit gien capacité pour nous produire manger ça pour nous vendre. D'après président Jovenel Moïse, gien plus passé 7000 hectares terre dans commune Tobek qui t'a dû exploiter alors que c'est seulement 3000 hectares qui travaille pour Kounia. Li promet pendant mandat là l'a travail pour porter amélioration dans cette terre. Mais dans pleine Tobek qui sont pleines qui lui même gien capacité pour le produit sur 7000 hectares, mais malheureusement, c'est 3000 hectares seulement qui viennent de l'eau. Nous venons avec eux, nous venons regarder avec yeux par nous. D'ici dans 90 jours à 120 jours, pour nous donner un document complet, pour nous capables de travailler, pour nous voir comment pour nous faire avec Barre, nous, Jean nous dit aujourd'hui, nous avons des priorités claires pour tous les partenaires techniques et financiers. Nous, c'est des priorités qui sont très claires. Nous disons ça, nous voulons dans le pays, nous travaillons pour nous mettre 120 000 hectares en valeur sur 4 ans qui étaient nous. Mais pour le faire, il faut mettre de l'eau sur eux. Et c'est pour ça aujourd'hui, nous prenons une décision pour nous marcher dans tout gros périmètre irrigué. Député Tobeklan, Hervé Charles, quoi, visite ça venir dans un bon moment. Ça permet chef d'État à comprendre la réalité et à problème agriculteur zone à faire face. Tobek, là nous garder son plein agricole ou plein sérieux et le président voulait mettre toute terre en valeur, c'est la raison ça qui fait aujourd'hui nous débarquer dans la commune avec délégation ça et fume ça pour que capable faire étude ça. Et le président mande tout, il faut que dans 90 jours le rapport ça pour façon pour travailler capable démarrer rapide. Pendant visite là, le président Jovenel Moïse était tout parlé à la population sous question route du 6 Dibray là côté travail était fait un petit campé. Il fait qu'on est travail pour le redémarrer tout de suite pendant le mandat des populations prend patience. Merci Richardson et Pems. N'a prêté sous même lancer ça pour nous profiter fait qu'on a un président Jovenel Moïse fait une visite terrain vendredi 23 mars dans en pleine Mariboa dans commune Ferrié pour garder besoin zone si là surtout pour ouais qui travaille qui doit faire pour bah, production du riz plus j'arrête Jean Safet non vallée la Tibonite là. Chef l'État te gagne akli plusieurs autorités parmi eux ambassadeur pays la France là Elisabeth Beton Delegue. On suivit un reportage avec Sabine Jean-Étienne et puis Jean-Naël Duvernay. Pleine Maribao, c'est deuxième gros zone production du riz en Haïti après vallée la Tibonite. Là, nous en Parades dans Maribao qui gen ti nom en Balagon à quelques kilomètres République Dominicaine. De l'eau qui sorti la caille dominicaine yo vin servi pour tremper diri Maribao.
Chef l'État qui t'a visité ferme agricole, sénateur Jacques Sauvergeant dans Maribao, annoncé une série d'actions administration là a posé pour renforcer production du riz en Haïti et spécialement grandes zones de production. Nous pas gain l'autre bagaille, c'est loi nous vinn porter avec ti canal ça son boucané pour t'en bouyi. Ti canal là me vinn dit, nous tellement de besoin là aller vite. Me dit nous te ka acheter des tuyaux 42 pouces. Mais t'es passé et puis aller. Mais quand il y a un leader ministre, madame Chidala, qui est important, il dit moi, meilleur bagarre là, si nous faisons la maçonnerie, ça va plus mon travail. Ça veut dire, nous allons lancer le travail rapide, pour que le canal ça, il fait la maçonnerie pour venir arriver. Parti côté de son jectap bimère. Ça veut dire, parti bon, nous pas parler besoin de mettre l'Amazonie, non, mais parti que tap bimère, nous fait pour la tomber dans trop plein, pour de l'eau aller gagner sécheresse, nous mener là pour venir roser. Ça c'est pour qu'on ait pour donner bouillie. Je dis à Maribao, mais ma tout annoncé, nous annoncer nous aujourd'hui. Pour nous planter 70 000 hectares enduits dans le pays à net, nous besoin 20 000 tonnes de semences chaque année. Et pourtant, c'est 2000 tonnes de semences que le pays a déposé chaque année. Je prends une décision chaque 3 mois. Taïwan qui te compte aider nous dans les affaires de production de semences. Je prends une décision pour que 300 semences qui montent dans le pays. Il y a un Maribao qui va produire 5000 tonnes de semences chaque année. Il y a 100 semences qui va produire 12000 tonnes de semences chaque année. On a 100 semences. Dans plein de qui va produire 3000 tonnes de semences chaque année. Ça veut dire, ou même qu'à planter du riz dans Maribao, dans combien de temps, ministre, de semences Maribao, quelqu'un a commencé? À partir du mois de juillet, 100 ça a commencé dans Maribao. Et dans un an, ou pas besoin de question à la casse tête ou à l'acheter semences du riz. Ça veut dire, l'on va planter du riz, ou à besoin de semences sur place, là. Bravo! Là, la prochaine. Pour virer ça, dans plein Maribao, commune Ferrier, président Jovenel Moïse de Gavel, ministre agriculture là, agronome André Bélier, ambassadeur français Elisabeth Béton Deleg, ak responsable compagnie Vob et fils et puis compagnie Razel cap construit route Saint-Raphaël là. Objectif là, c'est attirer attention bailleurs de fonds yo sous travail équipe en place là à réaliser dans pays an ak l'agent trésor public là et nécessité pour paysans mi Haïti yo accompagner projet développement ça yo. Merci Sabine, n'a quitté plein Maribao, qu'on y en a fait qu'on ait gagné un voilier qui tape sorti dans la commune Saint-Louis du Nord pour prendre direction Zile La Tortue qui fait naufrage dans la nuit samedi 24 mars 2018 là. Information yo poko révélé qui ça qui t'a la cause incident ça. Mais gain 17 passagers qui étaient à bord voilier si là, plusieurs moun t'a disparaît parmi yo yon prêtre catholique. Yo rivé joindre 5 rescapés d'après quelques données qui t'a disponible. N'a invité nous suivre plus précision avec correspondons-nous, Marc Eddy Osam, depuis département Nord-Ouest. Parmi 17 personnes qui ont voyagé à bord de voilier, il y a 5 nao qui sauvaient de justesse, alors que il y a 12 autres qui disparaissent sans pas quitter en quelque trace. Dans les gens qui disparaissent, il y a un révérend père Tani Charles qui a été joué, père Billy, qui est affecté dans la paroisse au plein Zile La Tortue. D'après précision, coordonnateur technique, comité protection civile dans le département Nord-Ouest, agronome Réton José. Hier après-midi aux environs 5-6 heures, qu'il y a un voilier, donc ça nous est dans Chaloupe, qui tape sorti Saint-Louis du Nord pour le rendre l'île de la Tortue, arrivé dans le canal de la Tortue, il fait naufrage. Chaloupe, ça a été gagné 17 personnes à bord. Donc pour jusqu'au n'y a là, c'est 5 corps qui ont retrouvé, donc 5 personnes sorties vivants, et il y a 12 navires qui portaient disparu. Et dans le canal, il y a un prêtre qui c'est Moun Guichard, qui est l'écart, lui-même c'est au plein, il est affecté, donc il était à bord, donc c'est bien malheureux, donc jusqu'au n'y a cherché lui comme disparu. Pourquoi gagner aucune information claire sur ça qui est à la base de naufrage ça, même si agronome Riton José t'a parlé des surcharges. Donc pour vraiment gagner des informations, mes premières informations fait non quoi que c'était vraiment une surcharge parce que conditions météorologiques c'est pas vraiment mauvais, pas vraiment gagner mauvais temps, mais ils ont dit que 17 mondes étaient déjà trop pour capacité ou aller selon toutes premières informations de gagner. On a rappelé pendant dernier naufrage qui était enregistré dans le mois d'août 2017 là, il y a environ 9 mondes qui étaient morts et plus passé 13 autres qui étaient disparus. Cependant en
aucune décision pour comprendre bon côté autorité concernée yo pour stopper façon mon a voyager sur la mer ou bien sous terre qui la cause en pile mon a perdu la vie dans négligence et irresponsabilité. Depuis Cité Capra la mort, Port de Paix, Marc Eddy Ossam, Antenne Télévision d'État. Merci Marc Eddy Ossam. N'a toujours été dans ce sujet si là, ensemble avec directeur général service maritime et navigation d'Haïtien, Bruno Dieudonné, qui confirmait information qui t'a circulé sous connote qui t'est coulé dans zone l'île La Tortue pendant week-end. D'après responsable Semana, quand notre lan qui tape sorti pas de paix pour aller il est la tortue, pas de gain rien pour avec activité commerciale en suivre. C'était un petit canot, c'est pas commercial. Donc c'était en privé d'après information que nous retrouvé sur place par représentant nous qui port de paix. Te gain un prêtre qui était d'après qui sorti Saint-Louis qui était voulait aller la tortue. Les monsieur était voulait aller, il y a plusieurs monde qui était décidé aller ensemble avec elle. Et c'est plusieurs monde ça qui vienne cause vienne gain en surcharge dans canoa qui galère pas ta supporter et pas cap supporter tout monde ça qui était à bord là. Jusqu'à présent nous même dans semaine nous pas connait nombre de monde non. Mais il paraît qu'elle était surchargée, elle arrivait au cours de route et chaviré. Jusqu'à présent, information nous gagne que nous pouvons jamais prouver. Et gagne 5 mondes, 5 survivants, et reste maintenant et porté disparu que pouvons joindre. N'a pas poursuivre avec information yo pour nous faire connaître j'ont te dit dans grand site tout gain collectif de dimension en tête collée avec Union journaliste photographe haïtien qui portait solidarité by famille journaliste photographe Vladimir Le Gagneur qui disparaît depuis environ 2 semaines dans cadre d'un reportage l'étape réalisé dans zone Grand Ravine. Plusieurs journalistes qui étaient présents signaient pétition pour mander l'État haïtien garantir respect à droit tout journaliste pour être capable continuer faire travail sans que sauter. Et un reportage. Marie m'a fait un reportage au Grand Ravine. Quand elle était rendez-vous à 10h, mais elle était déplacée avant 10h. Et elle était dit que je capable de à midi et à 2h. Puis à midi, vraiment, midi 15 environ, 19. Moi intérêt les li et puis li dit que li en forme, li manger sauf que li occupé en pile. Donc moi dit ben sou occupé, est-ce que me capable toujours l'eau à 2h? Li dit oui, on mettre les ma 2h. De 2h arrivé 2h15. Moi relé Marim, téléphone sonné sans réponse. Jusqu'à ce qu'elle pas jamais sonné encore jusqu'à journée jeudi, moi pas connait s'il monter s'il descend. Ces déclarations Fleurette Guerrier, Madame Vladimir Le Gagneur, journaliste ça qui disparaît depuis mercredi 14 mars 2018 là, dans l'occasion l'Ital réalisé un reportage dans zone Grand Ravine. 10 jours après, malgré toute démarche d'âme ça dit l'y fait, l'ipoko jamais rivé joindre information qui t'a dit sacrivé avec Maril. Ensemble journaliste photographe qui fait partie collectif des dimensions ak Union journaliste photographe haïtien, dit à continuer manifester solidarité yo ak famille Le Gagneur jusqu'à ce qu'il arrive qu'on ait sac passé. En attendant, yo mandé institution qui là pour défendre droit journaliste placer mo payo dans dossier ça. Nous décider pour nous là ensemble avec le matin pour non seulement pour nous montrer support nous, mais tout pour dire comment nous-mêmes journalistes mais tout photographe nous attachés à valeurs républicaines yo qui c'est liberté de presse avec droit à l'information. Nous mettons nous ensemble pour nous demander concours l'autre institution internationale yo tant que Reporters sans frontières, Amnesty International, Comité international des journalistes, Fédération internationale des journalistes, ANMH, tout prénom, AJH, SOS et toute organisation qui souterrain qui dit il y a travail pour moun gen droit. Vladimir Le Gagneur gen 5 années depuis l'ap travail comme journaliste photographe. Selon collectif des dimensions, Vladimir te travail pour journal Le Matin ak agence en ligne Loop News. Le Gagneur gen environ yon l'année depuis l'ap travail comme pigiste.
N'a toujours été dans le sujet ça ensemble avec député Abel Descollines qui dénonçait passivité li constater qui gagnait sous dossier disparition journaliste photographe Vladimir Le Gagneur. Député Mirbalet a mandé responsable police nationale d'Haïti à paquet Port-au-Prince pour mener enquête pour joindre journaliste là qui quittait la Kaeli depuis plus passé 10 jours. On suit. Comme citoyen, comme journaliste de métier, de profession, mais comme député en fonction, face à disparition de journaliste photographe Vladimir Le Gagneur. Moi, exprimer inquiétude ça, puisque c'est révoltant au 21e siècle, c'est révoltant dans un état de droit, dans une démocratie, pour napper déplorer que un journaliste l'y portait disparu dans de conditions qui pas capable élucider et nan moment n'a exprimé nous en là nous malheureusement pas en mesure ni en situation pour nous confirmer ni infirmer est-ce que journaliste là l'y envie ou pas. N'a profité fait qu'on a un ministère communication exprimé solidarité avec famille Vladimir Le Gagneur et puis toute corporation journaliste là non yon note. Ministère a précisé autorité la police avec la justice à travail pour permettre gain lumière qui fait sous dossier si là. Ministère communication renouvelé engagement gouvernement pour favoriser liberté information et liberté la presse dans l'idée pour garantir un état de droit. Photojournaliste Vladimir Le Gagneur a réalisé un reportage dans le quartier Grand Ravine mercredi 14 mars passé. Depuis les sa famille proche, amis et collègues, pas de nouvelles. N'a quitté sujet ça pour nous poursuivre avec commissaire gouvernement Port-au-Prince là maître Oknam Klamé Dameus qui questionnait jeudi lundi 26 mars là dans ministère éducation nationale et formation professionnelle 24 fonctionnaires qui affectaient nos services budget pour question corruption. D'après le ministre de l'Éducation nationale, Pierre-Josué Agénor Cadet, fonctionnaire Silayo suspect dans plusieurs chèques subventions qui t'a disparaître dans le ministère Sila. Quatre fonctionnaires Silayo qui t'a accompagné commissaire gouvernement Port-au-Prince, allaient dans prison après yo fin répondre aux questions. On suit plus de détails dans le micro Roosevelt Desrosiers avec Jean Fleury. Nous vivons en Haïti, un pays qui est engourdi par la corruption à tous les niveaux. Pas seulement dans l'État, même dans dehors l'État. Et moi-même, dans la tête, c'est ça, nous dit, faut que nous sommes capables de faire, faut que nous combattions la corruption tout partout. C'est dans ce sens, depuis le mois de juin, je suis une subvention pour des petits gens de l'école, qui sont dans l'école primaire, dans l'école fondamentale, dans l'école secondaire, dans l'université. Mais je suis en pile plainte qui t'a fait me connaître que dans pile subvention, les petits gens qui ont une subvention en chèque, soit chèque la perdu, ou bien ils ont des gens qui ont négocié avec eux pour partager chèque la avec eux. L'information fait que y a un gros réseau qui a fonctionné, qui a concerné plusieurs services dans le ministère, qui ont l'autre ministère tout là-dedans. Qui ont l'autre ministère là-dedans tout. Et bien, c'est comme ça, nous sommes obligés aujourd'hui, nous avons pris toute qualité de données, nous avons convoqué tous 24 membres qui travaillent dans le service budget. Pour me poser une question, pour me dire, mais ça m'entendait, mais ça ne gagne rien. Parce que j'ai un pile cas, un pile plainte qui vient jouer moi, et bien c'est comme ça, un pile monde qui est victime, vient jouer moi personnellement, vient pour me plaindre. Et c'est dans ce sens-là, je dis, pendant que j'étais en réunion avec Mounio, dans la convocation de FEA, le commissaire gouvernement lui-même vient paraître, côté un pile parole qui t'a parlé. Et devant le commissaire, m'a exposé tout ça comme reproche à monde qui est dans le budget. Et quand pile l'autre service tourne dans le ministère, qui m'a des informations, qui m'a fait, qui n'a pas de droit, je vais marcher sur tout, il faut que tout le bagage change dans le ministère de l'Éducation nationale. Donc si le ministère est ministère de l'Éducation nationale, il faut que c'est un ministère qui trace l'exemple dans tout le bagage. Après, dossier ça nous touche là, qui nous met la justice, le commissaire gouvernement allait avec
et peu de monde yo que là le temps de yo m'pa konn ki sa k'ap sorti li pa poser aux questions parce que moi même tout dit ça ministère éducation nationale li pa en instance de juridiction l'aime joindre bagay yo et bien faut me saisir la justice pour lui même chercher joindre vérité en termes de droit là n'a pas de lieu à faire la loi pas de monde qui coupable tout monde sont présumés innocents m'gen donné yo m'soumettre commissaire à donné yo en fonction de toute donnée que m'bali yo li pral poser moun sa question pour connaître qui est tant yo qui impliqué m'abdou te gen 24 moun commissaire te vle pour t'aller même avec tous les 24 OK mais en après nous vinn parler li wè que la prend 4 gros non chef yo qui gen bagage pou ka di et l'autre yo tout yo pas exempté li gen l'autre tout pas l'tendé tout et faut que m'dou déjà nous gen pile moun qui déjà en cavale gen moun même qui déjà quitté pays a là on connaît qu'en dans ministère éducation nationale nous on lutte à pénètre contre la corruption et nous on l'autre lutte là qu'on nous va le bénir parce que nous on t'a informé tout conseil de direction côté moun yo chita manger l'argent l'état yo pas venir travailler du tout et nous t'ai étant écrit directeur général là pour nous demander on activité de présence pour pile moun qui dans ministère ça on prouver tout nous joindre dans pile là yo nous on faire bloquer chèque yo bloquer frais qu'on gagne parce que nous c'est un bagage qui ont des gens drôles dans l'état. On sait des monde qui présent qui travail chaque jour qui pas gain frais qui pas gain carburant et puis on dal monde qui pas jamais vinn travail qui gain frais donc cette question bruit travail choix galonné et jodi a nous dit faut pas que ça suspende nous dit nous même nous te écrit administrateur nous côté nous faire bloquer chèque bloquer frais on paquet monde qui dit yo c'est gros cadre dans ministère qui pas jamais travail. Nous faisons un bon rallye dans la première partie journal là moment arrivé pour nous prendre une pause restez branchés n'a tourner tout de suite. L'émission. Merci parce que nous avons toujours été branchés. Téléjournal lance aux télévisions nationales d'Haïti. Information y aura poursuivre pour nous faire connaître le ministère Conditions Femmes et Droits Femmes organisé dimanche 25 mars. Cérémonie graduation pour 65 jeunes filles. Jeune fille Sao prend formation dans le domaine réfrigération, carrelage, électricité à Clotte encore dans l'école professionnelle Saint-Jean. Darlene Dorival et Michaud Joseph ont fait déplacement et un reportage. Cérémonie graduation ça a déroulé en présence ministre conditions femmes et droits femmes là Eunide Innocent, directrice Institut national formation professionnelle là Maggie Durcé, parents et amis gradués. Dans le discours qu'il fait dans ces circonstances, le ministre de la droit femme, Eunide Innocent, promet de graduer le prêt travail pour permettre d'intégrer le marché du travail là, pendant de déplorer la discrimination, mesdames, yo, souvent victimes, avant d'arriver à joindre le travail. Nous allons accompagner, nous allons chercher travail pour yo, surtout dans le bâtiment public. Yo, okay, nous allons voir comment nous permettre que tout le monde soit accepté sur le marché du travail. Nous connaissons que ce n'est pas toujours facile. Les femmes apprennent le métier que les garçons habitués font. Le plus souvent, yo qu'on a demandé yo, yo a fait en pile exigence côté yo qu'on a demandé yo pour qu'a prouver compétence yo. Et ouais comment ti moun sa côté directeur à l'école là avec professeur yo sont a témoigné comment ti moun sa yo c'est de véritables professionnels. Cela veut dire que des moun qui prend responsabilité yo déjà en main et qui déjà prête pour qu'a aller sur le marché du travail. Directrice Institut National Formation Professionnelle là, Maggie Durcé, salue performance jeune fille Sayo. Pendant séance formation 1, responsable INFPA indique la continuer travail pour réaliser situation en pile l'école professionnelle en d'un pays et puis travail dans formation formateur. Nous gagnons support que nous pral bay déjà à l'école là parce que gagnons en pile l'école qui pas enregistré en dans INFP qui permettent que non seulement yo bénéficier de niveau de formation yo de qualification que n'a bay formateur yo pour yo gagner et de qualification pour yo bay kou yo mieux donc nous croyons que c'est rôle ça que INFP a joué et gagner le rôle de l'insertion professionnelle que INFP lui-même li rentré dans question hein, côté que deux concerts avec ministère là li ministère à la condition féminine, nous pourrons accompagner nos jeunes saillots, même si nous pas qu'apprendre toutes, mais des diplômés, particulièrement dans le domaine informatique, yo, et faire des liens avec des firmes de ça qui dans construction, qui dans carrelage, pour être capable d'insérer et nous t'as capable de faire insertion économique, puisque yo fin prend diplôme non, et qu'on est en l'autre part qui était en question de insertion professionnelle.
Yon nan gradye yo, Daphné Boyer, ki tap eksprime nan nan lot gradye yo, remersye inisiatif de Masa. Promet yo pral mete konesans yo resevoa nan servis peyi ya, nan benefis kominote ya vive la. Très content et bien content et fier de moi et fier parce que je suis technicienne du plan. Moi j'étais dans plomberie donc moi lauréate et c'est une fierté pour moi, je suis content en pile. Et m'a dit avec toute l'autre jeune yo qui pas ignoré métier yo qui dit ça c'est pour filles, ça c'est pour garçons qui classé yo. Mais nous connaissons ministre lui-même qui vient ensemble avec programme ça qui dit dans quatre programmes lien tout ça garçon qu'a fait, fille qu'a fait le tout. Cérémonie graduation ça rentré dans cadre activité pour te marquer journée internationale femme yo 8 mars passé a mais tout dans bataille qu'a mené pour craser barrière qui en pile monde ta quoi exister entre femme et garçon dans affaire travail et métier pas gain sexe. Merci Darlene Michaud. Organisation Éduque A groupe organisé dimanche 25 mars l'an, 3e édition finale concours interscolaire li sous thème des mots pour convaincre pour plusieurs élèves l'école dans ville Tigouave. Coordonnateur Éduque A groupe l'an, Obed Lamy expliquait initiative SILA visait aider jeunes yo gagner plus capacité pour faire débat en public et puis maîtriser langue française puis bien. Sainte-Croix Paki avec Jean-André Chéri pour un reportage. Troisième édition finale concours interscolaire des mots pour convaincre Anessa te rassemblé 8 l'école dans ville Tigouave. C'était occasion pour élèves Sayo qui était assisté par 3 jurys de faire débat contradictoire sur sujet qui dominait l'actualité sociopolitique là. Responsable organisation socioculturelle Éduque A groupe là expliqué initiative ça réalisé dans l'idée pour offrir possibilité à jeunes pour renforcer connaissance. Nous devons étendre à vitimoun opinion élève l'école sur des sujets qui concernent et en même temps tout l'idée c'était aider élèves à améliorer dans argumentation, améliorer dans exprimer en français. C'était raison ça que ça qui fait nous organiser concours. La petite lieu dans sens que l'a aider à améliorer performance d'ailleurs il y a pile qui vini là qui timide en quelque sorte, l'a aider à chasser timidité en quelque part et puis travail sur question argumentation capable camper pour faire débat sur sujet. Particulier. Donc, étant donné que tu travailles pour ça, ça aide pour continuer le travail à long terme. Daël Otni Vincent, qui est élève lycée Fossé Soulou, qui sortit lauréat concours ça, félicite l'organisateur pour l'activité ça, qui gagne en pile importance pour jeunes. Troisième édition finale concours interscolaire ça, qui était déroulé dans la cité Fossé Soulou clan, te réuni plusieurs jeunes avec notables dans la ville. Une initiative qui joue une bourrade, organisation internationale francophonie, c'est 3 éditions. À la bibliothèque municipale Tigouave. Merci Paki ak André. N'a fait qu'on ait convention unité démocratique KID célébré anniversaire week-end passé à l'occasion responsable KIDio profiter renouveler engagement yo pour faire cause démocratie à continuer avancer dans pays d'Haïti. On a suivi un reportage avec Anne-Marguerite Auguste et puis Michaud Joseph qui t'a fait déplacement. 32 l'année, ça a été occasion pour responsable parti politique, convention unité démocratique, Evans Paul, parler sous importance parti politique dans la démocratie et développement pays. Evans Paul reconnaît parti politique a fait face à un pile de difficultés pour fonctionner. Dans ce sens, il fait qu'on ait travaillé dans KID pour une véritable réforme parti politique. Ça. Chef Kidla a annoncé un nouveau plan pour bay Kid Jaret pour continuer à défendre cause peuple là tant qu'ou bay militant yo plus encadrement l'ouvri porte Kid pour recevoir toute compétence tant mais yon dialogue porte à porte avec toute parti politique Corée démocratie haïtienne nan concentré yo nan combat k'ap mené pour la vie miyo c'est quelque principal objectif Kid fixé tête li pour tant k'ap vini yo nan Kid nous reconnaître nous faible. Mais nous décider transformer faiblesse nous en force. Parce que nous conscients, ces faiblesses nous comme parti politique, qui réjaillit sous l'État qui débaba, contaminer pays à qui n'améra, déconstombrer peuple à qui délala. Mes amis, cas grave, c'est pas capé qui dit. C'est bilan qui a parlé.
parole l'a dit, par un mot, bilan dit, nous tombés, mais nous cas levés. Nous capables de lever parce que nous c'est Haïti. Haïti qu'on lève des filles. Secrétaire général Kidla, Dr. Enol Joseph, salue décision exécutive la prend pour bailler un plus bon encadrement à parti politique yo à travers financement limité à disposition yo. Les croix financement ça a pour aider parti politique yo avancer. Nous-mêmes dans Kidla, nous déjà prenons toute disposition pour utiliser pour parti financement ça dans l'application nouveau plan ça de MKP sur parler dans résolution ou déclaration. Ce n'est pas un hasard qui est toujours réalisé bon gens escorte dans diverses élections qui se passent même avec l'autre parti politique. Dernière élection qui se passait là, l'IMET est en troisième position comme parti politique qui peut représenter le Parlement à Tamerui. Est-ce que ça pas bail qui vertige. Il pas faire qui te gros tête pour penser c'est parti politique qui plus fort dans le pays. Député Gangouavla Jean-Marcel Luméran qui élu en bas bannière convention unité démocratique KID plaidé pour une plus bonne relation entre parti politique yo ak élu yo une façon pour une plus bonne harmonie dans mitan yo. Il nous revient tous dirigeants, élus et cadres du parti de nous engager pour que dans le cadre du climat de vivre ensemble, nous puissions agir pour changer l'ordre existant. Il est vrai que les relations entre le parti et ses différents élus n'ont pas été toujours en parfaite symbiose, en parfaite harmonie. Nous en sommes conscients qu'un effort réciproque mérite d'être consenti en vue de redynamiser le parti et le placer sur la voie de la modernité. 32 l'année existence lente et occasion pour dirigeant Kidio renouveler engagement yo pour travail pour renforcer patia ak avancer pi devant. N'a pas quitté Kid, n'a pas poursuivre avec responsable parti politique Haïti en action qui présenté dimanche 25 mars là coordination qui pral gagner pour diriger structure sila dans commune Delma. C'était occasion pour coordonnateur AAA Delma, Jean Fédi Adma, présenter by population grande ligne et perspective pour permettre Patia marcher pi bien. Un extrait dans micro TNH. Nous gagnons longtemps que nous travaillons au niveau communal, mais aujourd'hui, nous voulons officialiser la coordination pour que nous voulions montrer la presse qui travaille, que nous-mêmes avons fait en dans la commune. Et bien, c'est avec le même objectif ça, aujourd'hui. Pendant que nous avons officialisé la coordination, nous avons tout invité, tout un conférencier ensemble avec nous, puisque nous connaissons dans quelques jours, nous allons fêter 31 ans de la Constitution. Et au moins qu'il faut venir parler nous un peu de la Constitution pays. Nous allons commencer parce qu'actuellement, la côté que nous avons parlé avec vous, tout de suite, nous avons un préfat que nous allons organiser dans la commune pour tous les élèves qui sont composés en philo. Côté que nous allons organiser un préfat pour eux. Et puis tout côté que nous avons demandé toutes les jeunes garçons, toutes les jeunes filles, tout le monde habiter dans Delma puis au région pour intégrer dans parti pour nous faire politique. L'autre information en page politique langue un député terrier rouge là Jovenel Louis qui démentit information qui t'a fait quoi ces députés yo qui t'a la cause ministre planification à coopération externe à Viol Florent pas débloquer l'argent fonds communal yo. D'après député, hein, c'est moun qui gen intention mette division entre responsable mairie yo ak parlementaire yo kap mette cause si la yo dehors. Parlementaire invité représentant collectivité yo mette tête yo sans mak parlementaire yo pour développement pays. Lité micro Jerbi Kaseus ak Moïse Wilbridge. Depuis là que nous arrivons dans 50e nan, nous te dit clair comme député, nous pas rentrer dans projet fonds communaux. Et ça fait que sous période transition, pas te gagner un coude qui te déposé sous fonds communaux pour que les projets te fait dans la commune, dans la section communale. Et
dans budget 16-17 là, dans qui est un budget rectificatif, tout simplement et commission budget dans chambre nan te goumen, yo met un petit paiement qui c'est 2700 000 goud pour que gon petit bagaille qui fait dans commune yo sous fond et communal là parce que ben elle a arrivé grave pour 2 années pas rien qui fait. Mais tout nous te dit le fait que nous te prendre décision pour ne pas entrer là-dedans dans loi finance là nous insérer un article qui dit que maire yo a écrit projet yo et a déposé projet yo mais dans article là nous dit député circonscription qui gon pouvoir de contrôle supposé vérifier ou bien approuver projet que magistrat yo a déposé. Moi-même comme député et circonscription Terrier Rouge et à mettre foi nous pas jamais intervenu dans question projet fonds communaux parce que nous t'es voté dans loi de finances 16 17 là c'est magistrat yo qui gagne tout droit pour capable faire fumer que projet pour yo mais député à qui gon pouvoir de contrôle supposé approuver projet. N'a pas enchaîné ensemble avec parti politique pour organisation ak progrès propre qui organise yon journée réflexion dans cadre activité pour marquer 23e anniversaire. Dans cadre journée réflexion ça qui déroulé sous thème éducation, coordonnateur mouvement populaire des Saliniens, agronome Jean-André Victor qui était youn nan intervenant yo, mandé autorité concernée yo investi pi plus dans la santé ak éducation. Un suivi extrait dans micro Midray Milias ak Fresnel Toussaint. Nous mandé rentrer dans conférence nationale souveraine Jean PNDPH mandé l'autre jour encore et en dans mot pod la kounia il y a une dynamique comme ça qui crée côté que tout groupe qui forme mon podium a demandé conférence nationale souveraine et dans ce sens ça nous pensons vraiment c'est seule façon pour nous retirer pays à dans salier là en mettre tête nous ensemble faire conférence nationale là de manière que nous ca retirer pays nos nations dans salier là et que Haïti pour salter en 1804 eh bien tout le monde entier attend que nous ramassions caractère nous pour nous changer pays ça ballon l'autre orientation. N'a retourné dans dossier corruption avec commissaire gouvernement Port-au-Prince maître Oknam Klamé-Damehus qui fait qu'on est 4 fonctionnaires dans service budget ministère éducation nationale l'ital coûté dans paquet Port-au-Prince sous question chèque subvention qui disparaît yo accusé pour corruption, détournement fonds, vol subvention pour moun qui n'en besoin ak association malfaite. Non sans ça, paquet a kembe moun sa yo pour capable continuer enquête là. En suivant bout. Moi te prendre des mesures pour me demander que moun sa yo pour capable mettre yo à disposition commissaire gouvernement. C'est pour ça que me te rendre moi sur les lieux matin dans journée a. Dans le ministère de l'Éducation nationale. Et une fois que je suis arrivé, je suis demandé pour me rencontrer tout personnel qui travaille dans le service budget éducation nationale. Alors, là, nous parlons de service budget, c'est un langage technique, c'est des gens qui ont réglé toutes questions financières ministère. Et qui gagne, par exemple, les ministres font une réquisition, ou bien voyons une réquisition, qui gagne pour exécuter une réquisition. Et parmi les réquisitions, ou gagne des réquisitions que les ministres signent pour accorder des subventions à San Capabrile, des écoliers démunis, que les parents n'ont pas de moyens pour payer l'école pour eux. Maintenant, les rivés, nous avons gagné pour nous étendre, nous avons joué que 24 personnes qui sont affectées dans le service. Après m'te fin prendre les premières déclarations de moun sa yo, m'te rendre moi rend compte gagné 4 là-dedans yo qui concerné par question corruption en dans service ça que les services budget ministère éducation nationale. Donc c'est comme ça que moi-même m'te prendre le soin pour m'te capable
vini nan paquet avec tout moun sa yo en même temps me demander tout moun ki nan service la tout pou yo vini parce que paquet attendé tout moun continue attendé tout moun pour verbaliser déclaration yo et aussi vérifier les pertinences des informations. Donc c'est comme ça que me gagne là et quatre nan moun sa yo que paquet a ap kembe nan cadre enquête k'ap mené sous question corruption, détournement des fonds, vol des montants d'argent destinés aux subventions à des démunis et aussi quand on dit démunis nous dit des écoliers qui n'ont pas qui pas qu'à payer écolage et puis nous gagnons association de malfaiteurs. Donc c'est pour ça que n'a kembe monzayo dans cadre d'enquête que paquet a ouvert sous question corruption dans ministère éducation nationale. Maintenant nous gagnons quatre monzayo là moi gagnons c'est Massieu Harrison, m'gen Jonas Metellus, m'gen Cheriza l'unique et m'gen Jacques Junior divers. C'est des moun qui responsable et qui cap travaille comme étant chef de service, assistant chef de service, coordonnateur service budget dans ministère éducation nationale. Et puis n'a profité fait qu'on a ministère éducation nationale formation professionnelle pour envoyer by la justice dossier plusieurs professeurs qui rentraient dans le système éducatif là avec faux papiers. Dans le même sens, ça, ministre éducation nationale là, Pierre Josué Agénor Cadet fait qu'on ait environ 40 écoles l'Ouest qui a fonctionné avec faux papiers tout côté responsable pour répondre devant la justice yo même tout. Un extrait dans le micro Roosevelt Desrosiers avec Jean Fleury. Nous avons deux autres dossiers encore qui parlent de grande actualité. Deuxième dossier, je vais mettre sous lit, c'est dans tous les 10 départements, côté un paquet de professeurs, enseignants, entre guillemets, qui rentrent dans le système non, avec faux papiers, baccalauréat, première partie à deuxième partie. Je dis à tout, je vais remettre par le commissaire gouvernement, liste professeurs qui concernent pour le département l'Ouest, qui ont faux diplômes dans le yo, nous avons souhaité pour le jeune monde, puis par qui réseau qui fabriqué dans le pays faux diplômes. Je vais faire le même travail à tout dans tous les 9 départements quand je vais remettre le dossier. Un troisième dossier, tout le pays a connu chaque année dans l'examen baccalauréat, dans l'examen d'État, toujours une tête chargée avec un cas spécial. Un paquet de directeurs de l'école qui ont les têtes comme ça, qui ont manifesté, qui ont demandé pour reconsidérer. Eh bien, année ça, nous vivons joindre plus passé en quarantaine l'école fictive dans le pays d'Haïti, qui a inscrit des milliers de timons chaque année dans le baccalauréat, qui a augmenté le taux d'échec là. Et c'est tout le monde qui va jamais à l'école. Il y a une licence dans l'école là-bas n'existe aucun côté. Je dis à nous mettre en pile cellule d'urgence, aller tout partout, quand nous arrivons à découvrir, plus passer une quarantaine de l'école qui connaissent élèves dans le baccalauréat dans l'Ouest, qui pas existé vraiment. Moment arrivé pour nous prendre une autre pause. Amis téléspectateurs, restez branchés. Dernier coup de pied nous dans le journal ça, amis téléspectateurs, amenez-nous dans l'actualité en sous-plan international pour nous faire connaître. Campagne ancien président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva démarré dimanche 25 mars. Luiz Inácio Lula da Silva déclaré aucune décision judiciaire pas campée sous Woodley. On suit. À 7 mois élection présidentielle dans le pays Brésil, ancien président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva rentré dans la campagne. À 72 l'année, leader gauche latino-américain répétait bien fort aucune décision judiciaire pas prêtée sous Kousli. Alors que sondage promet en pile pour Lula da Silva, il est condamné en appel pour 12 années prison pour corruption. Me paraît pour me venir reconstruire pays ça sans haine, sans souffrance. Parce que l'orgue haine ou pas dormi bien, alors que me raille douleur l'estomac avec agitation lieu. Retour la sous scène politique la créant pile tension. À dimanche 25 mars là dans Sao Miguel de Oeste dans site pays caravane liant victime côté opposant lieu tiré zeu accroche en pile violence fait tout dans nuit là. Vendredi passé à la Cour suprême brésilien décidé pour ne pas mettre Lula dans prison au moins pendant 2 semaines pour qu'on n'y a rien pas garanti ancien président brésilien a privé mener campagne juste dans boutli.
Merci Betty. Nous te dit dans grand titre, États-Unis ak pays Europe yo décidé mettre dehors plusieurs diplomates russes qui sous territoire yo lundi 26 mars lan. Personnalité ça yo tourné un véritable problème pour Union européenne ak Amérique du Nord. On suit. L'Union européenne ak Amérique du Nord décidé chasser plusieurs diplomates ak agents enseignement russe à cause moun sa yo tourné un problème pour yo. Décision pour voyer les diplomates russes sorti bon côté pays occidental yo. Autorité américaine yo fait connait 60 diplomates russes doivent quitter pays dans 7 jours et puis Canada décidé voyer aller tout 4 sous territoire yo. Dans Europe seulement, 14 pays choisi collaborer dans CANSA. Côté pays la France, gen 4 représentants russes qui gen fait paquet yo. Yon mezi ki pran pou eksprime solidarite yo ak gouvernement français a ak britannique. Kiyoko Ozeki, yon japonaise 88 l'année, décroché yon doctorat nan université Kyoto samedi 24 mars la. Kiyoko Ozeki fait doctorat sa pou travay li nan domaine textile li réalisé depuis presque 30 l'année. Kiyoko Ozeki vin étudiant qui gagne plus large qui prend un diplôme sous archipel là. Président République Lan Jovenel Moïse qui te gagne à Cli, ministre agriculture et ressources naturelles et développement rural Lan Carmel André Béliard, fait une visite dans la commune Torbec dans le département sud samedi 24 mars là, dans l'occasion en chef l'État haïtien engagé plusieurs systèmes irrigation qui gagne dans la zone Lan. Yon voilier qui t'a sorti dans la commune Saint-Louis du Nord pour prendre direction aux îles La Tortue fait naufrage dans la nuit samedi 24 mars. Plusieurs mounta disparaît parmi eux, yon prêtre catholique. Commissaire gouvernement Port-au-Prince-Lan, Oknam Klamedameus, questionné lundi 26 mars dans le ministère de l'Éducation nationale et formation professionnelle, 24 fonctionnaires qui affectés dans le service budget pour question corruption. 4 nan fonctionnaires qui étaient accompagnés au commissaire gouvernement Port-au-Prince-Lan allent en prison après yo fin répondre question yo. Ministère communication exprimé solidarité à famille Vladimir Le Gagneur et puis toute corporation journaliste lan. Ministère en précisé autorité la police et la justice a travail pour permettre gen limia qui fait sous dossier si la. 65 jeunes filles qui t'apprend formation dans le domaine réfrigération, carrelage, à clot encore, graduées dimanche 25 mars là. C'est ministère conditions femmes, Agdoa femmes qui organisait cérémonie graduation. À l'étranger, États-Unis et pays Europe ont décidé de mettre dehors plusieurs diplomates russes qui sous territoire lundi 26 mars lan, suite à dossier espion britannique qui assassiné dans le Royaume-Uni. Merci tout le monde qui t'a suivi premier sorti journal lan pour semaine ça en présentation hein, c'était Linela qui était ensemble avec nous. N'a remercier toute équipe là comme d'habitude qui était mobilisée pour te river en ni possible et puis une fois encore on a souhaité nous toutes une très bonne semaine mais surtout une très bonne soirée sous télévision nationale d'Haïti. Au revoir.